Et je suis la directrice de l'orchestre Dijon-Bourgogne depuis mai 2016. Donc ça fera exactement 4 ans au jour de la réouverture du plus 1 du Musée des Beaux-Arts. Ouais, le Musée des Beaux-Arts, c'est déjà le premier lieu que j'ai visité à Dijon à l'époque où il n'était pas encore réouvert. Et puis, je me suis rendu compte à quel point c'était un lieu où on vient souvent à Dijon, au-delà d'être un patrimoine artistique, culturel, historique de la ville de Dijon, c'est aussi un lieu de rencontre. Moi, j'y vais souvent pour faire des rendez-vous au Café des Beaux-Arts, ou alors à la brasserie, ou alors même des fois pour aller visiter des... Enfin, il se passe tout le temps quelque chose, que ce soit des concerts, on a fait de la danse renaissance avec les traversées baroques, nous-mêmes avec l'orchestre on fait nos concerts de rentrée au Musée des Beaux-Arts, donc il y a tout le temps une raison, on va dire, d'y aller, c'est en plein cœur de la ville évidemment, et puis bah, maintenant donc ça, c'est en même temps une image du passé, c'est en même temps un lieu de vie du présent, et puis bah, maintenant évidemment avec les nouveaux bâtiments, c'est un champ d'exploration pour l'avenir aussi sur ce qu'on va pouvoir y faire par la suite. J'y étais. C'était un très très beau moment, je crois qu'il faisait beau, il y avait cette présentation aussi, notamment avec la petite vidéo qui a été faite aussi à ce moment-là, et c'était un plaisir de redécouvrir. Enfin, moi je ne connaissais pas, comme je ne suis pas dijonnaise, c'est la première fois que je voyais ces espaces, donc c'était vraiment un plaisir de découvrir aussi le musée bah, dans son entier, quoi. C'était une belle découverte. Énormément de choses superbes. Maintenant, ce qui m'a évidemment le plus frappé lors de ma première visite, c'était une tapisserie du 16e avec le siège de Dijon par les Suisses. Et ça m'avait fait beaucoup rire à l'époque, étant moi-même Suisse, de savoir que les Suisses avaient assiégé Dijon à un moment donné. Et voilà, et je trouvais ça superbe parce que c'est vrai que voilà, ça raconte une histoire. Enfin, c'est la BD de l'époque, en fait. J'étais restée des heures devant cette tapisserie. Et voilà, j'ai un souvenir particulier avec cet homme.